la désignation du nombre composant la composition numérique des conseillers dans les régions n'est pas l'œuvre de la commission électorale indépendante. Si on dit par exemple qu'il y a 55 conseillers dans telle région, c'est le ministère de l'Intérieur qui détermine en fonction d'un critère qui leur sont propres, mais des critères qui sont transparents, bien sûr, tenant compte de la densité de la population, de certains aspects économiques, etc. Et de la proximité. Maintenant, quand le ministère a fini de déterminer les 55 doivent être répartis maintenant dans les différents départements composant la région. C'est en ce moment qu'on sollicite l'avis de la commission électorale indépendante.